Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Nature et Folie. Donc comme promis, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo pour laquelle je vous avais dit qu'un cygne était venu jusqu'à mon jardin par le canal et que forcément j'avais pris ça pour un cygne. Donc j'étais rapidement allée chercher des tickets de jeu en me disant ça va peut-être me porter chance. Alors vous vous souvenez, donc j'avais pris le Maximo croisé et le x10 que je vous avais dit qu'on gratterait en seconde partie de vidéo. Et sur la première partie de vidéo, j'avais gratté le fameux Drakkar qui me faisait penser au cygne, mais qui hélas ne m'avait rien rapporté. Et je m'étais un petit peu emmêlé les crayons sur le fameux bingo parce que c'était le premier, j'avais pas bien compris le principe. Je l'ai vérifié et je ne vois rien de gagnant. Donc voilà, j'espère aujourd'hui que cette vidéo sera un petit peu plus fructueuse. Et donc on va commencer par le x10. Je vous avais dit que le x10 c'était une première aussi parce que j'avais plutôt l'habitude de prendre des x20, notamment pour la vidéo de remerciement à mes abonnés. Quand j'avais passé la vingtaine d'abonnés, j'en avais pris 2 plus un cash. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Et puis là, j'ai passé la quarantaine d'abonnés, donc je suis super contente. Donc, il faut découvrir ici les numéros gagnants. Donc, nous avons le 12, nous avons le 44 et le 45. Deux numéros qui se suivent. Et trois numéros qui ne m'inspirent rien. Et le numéro du ticket, le 39, qui ne m'inspire rien. Mais c'est pas grave. Rien n'est joué, donc rien n'est perdu. Nous avons le 55. Nous avons ensuite le 33. Alors pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, allez-y, n'hésitez pas. C'est gratuit, ça coûte rien et ça fait plaisir. Le 16. Le 53. Le numéro 11. Le 13. Alors ça me dit rien qui vaille de bon là pour l'instant. Le 37. En plus quand j'ai vu la couleur du ticket vert, c'est une couleur que j'aime pas du tout. Ça m'a pas inspiré. Eh bien je crois que j'avais raison. Donc a priori rien de gagnant sur ce ticket. Donc on passe tout de suite au Maximo croisé qui va être un petit peu plus long. C'est la première fois que je le gratte mais je vais pas me planter comme le bingo. Là, je connais un petit peu mieux le fonctionnement. Donc, c'est parti. Nous avons la lettre E. Ça commence pas mal. Je suis assez enthousiaste de démarrer par une voyelle. Donc, pareil, si je loupe. Alors, un E sur le mot monnaie, ça fait rêver. Et d'ailleurs... J'espère que cette vidéo vous amuse. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu. Eto, gong, euro. Ah bah s'il y a de la monnaie, s'il y a des heureux et que ça nous amuse, eh ben voilà. On va faire les voyageurs. À une. Un vœu. Le vœu, c'est pour l'étoile filante que j'avais sur le ticket de la première vidéo. Ultime. Et je crois que je les ai tous. A priori, j'en ai pas oublié. Sur la deuxième grille, alors, on ose. On y va. On gratte. On ramène. Ah, j'aime bien hein, les mots croisés. Hein. Offerte avec deux lettres E. Bon, après, ça gratte pas super bien. Hein. Faut un peu insister, mais c'est pas grave. Étrenne. Bah, dis donc, ce ticket, il se rapporte pas mal à l'argent. Hein. Après, on a fête. Il y en a deux aussi. J'espère que vous verrez bien et que
La mise au point va pas cafouiller. Ça gratte pas du tout. Ah, dans l'autre sens, ça gratte un peu mieux. Éteint, alors. Offerte, éteint. Noce. Non, les noces, très peu pour moi, c'est bon. Superflu, vif, banjo, joyau, lisse. Ému, venu. Allez, venu. Venez, venez, venez vous abonner à ma chaîne, les amis. Plus vous serez d'abonnés, plus je ferai de vidéos. Alors, on y va ensuite. Allez, on va gratter l'autre extrémité. Un J, c'est magnifique. C'est une super lettre, le J. Même s'il n'y en a pas, c'est une super lettre quand même. Alors, désolé pour le bruit, j'étais appuyée contre le lave-vaisselle. Je me suis installée à la cuisine aujourd'hui. Je vois pas de J. Ah, banjo. Banjo. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui jouent du banjo? Ah, moi, j'aime bien les musiciens. On aime beaucoup la musique dans la famille. Je vois pas d'autres J. Alors après, c'est vrai que je suis peut-être pas super attentive parce que je parle beaucoup, mais de toute façon, le J, je pense pas qu'il y en ait 20 milliards. La lettre Q. Alors, ici, quand ça gratte pas dans un sens, faut y aller dans l'autre. Voyageur, ultime, gong, ghetto, monnaie, amuse, blague, je ne vois pas, scoop, son, ramène, Q, je vais pas en avoir, ça va être comme le J, hein. Non, j'en vois pas d'autre. Alors, sous le J. J'ai cru que c'était encore un J. Non, c'est un U. Alors, je vais peut-être descendre un petit peu. Voilà, vous verrez mieux comme ceci. Alors, les U. Bague. Dans le sens là, ça va mieux. Amuse. Monnaie, étau, euro, vœu. Je veux faire un vœu, ouais, j'aimerais bien. Voyageur, une. Non mais c'est... Je sais pas avec quoi il faut les gratter, ces tickets, mais pas avec une pièce, hein, apparemment. Alors, deuxième grille. Où se cachent les U? Ici. À superflu. Un joyau. Oh, il y en a qui maîtrisent pour gratter les mots croisés, mais alors c'est pas mon cas. Venu. Moi, je déborde de partout. Je fais ça comme un sagouin. On y va. Lettre suivante. Le A. Le A, c'est une bonne lettre aussi. Allez, on y va. Le A de bague. Le A de amuse. Le A de monnaie. Que je dérape sur le N. Le A de étau. Faudrait un tout petit truc pour gratter, en fait. C'est tellement... Une pièce, c'est trop gros. Voyageur. Je crois que c'est tout pour la première. Ensuite, la seconde. Ramène. Éteint.
éteint. Banjo. Joyau. J'en vois plus. Allez, ensuite. Nous avons la lettre P. La lettre P. Je la vois pas du tout dans la première grille. Si vous la voyez, vous me le dites. Petit commentaire de participation. Scoop. Pelle. Pelle ou pelé. En tout cas, pelle, ça va bien parce que ça commence à faire froid là. Et j'en vois pas d'autres. Ah bah si, il y a superflu. Superflu qui a du mal. Voilà. Alors, on repart de l'autre côté avec la lettre G. Là, vous voyez mieux. Donc, on a à bague. Ensuite, on l'a à gong. Ensuite, voyageur. Et là, deuxième grille, rien du tout. Ensuite, le Y. Y, magnifique. Alors, celui-ci, voyageur. Et je crois pas l'avoir vu sur un autre mot, le Y. Ah, bah, joyau. Joyau, joyau. Alors, pour avoir un X, non, bah c'est tout. Je pense que c'est pas mal, là. Alors, on y retourne. La lettre B, de bague. Le mot bague, il sent bon, hein, mais toutefois, faut-il qu'il nous sorte un S après. Alors, B... cru, voyageur, une, toujours pas. Et sur la deuxième, à banjo. On continue. Eh ben, le voilà, le X. Le voilà, mauvaise langue. Alors, je sais même plus, du coup, c'était... Alors, joyau, voilà. C'était sur la deuxième grille. Bon, par contre, je crois pas qu'il y en avait d'autres. On vérifie quand même. Ah ben, Eto. Et puis, c'est bien, deux. Hein, c'est pas mal. Après, faut pas trop en demander. Faut pas exagérer non plus. Ensuite, le F. Le F qu'on a... ou qu'on n'a pas... Donc, sur la première grille, je le vois pas. Ici, on l'a deux fois. On va gratter dans l'autre sens, ça gratte mieux. On va bien gratter le qui est à côté. On l'a à fête. On l'a à vif. C'est difficile de gratter une lettre sans déborder sur la case à côté. Hein. Voilà.
Et puis c'est tout, c'est pas mal. Alors, on y retourne ensuite. Nous avons un i. Le i ici. Qui es-tu ? Le i de ultime. Ensuite, le i à monnaie. Et deuxième grille, on en a un ici. On en a un à éteint. On en a un à vif. En fait, faut gratter comme un arraché. Ça me... Limite, faut s'énerver, faut avoir envie de faire un trou dans le ticket. Allez, on continue. Lettre suivante. Le M de maman. Alors, non, le M de monnaie. Alors. Ensuite, le M, on le retrouve dans ultime. Et j'en ai deux à la suite, en fait. Magnifique. Il n'y en a plus. Ensuite, deuxième grille. Ramène. Ému. Et c'est terminé. On continue. Lettre suivante. La lettre D. La lettre D qu'on retrouve ici. J'ai l'impression que c'est la seule dans la grille numéro 1. Oui, ça a l'air d'être la seule, effectivement. Grille numéro 2. 0. 0. Pas de D. Allez, le V. Le V, où est-ce qu'il est ? Il est à vœux. Il est ensuite à voyageur. Il est ensuite... Avenue. Alors on approche tout doucement de la fin, on a le sentiment qu'on va découvrir des mots, en tout cas si c'est le cas que je découvre des mots, pour être honnête je sais même pas ce que je gagne parce que je connais pas bien le ticket et le montant des gains, donc eh ben, on verra ensemble. Donc vif, venu et puis je crois que c'est tout là. Allez. Le Z. Oula, le Z de Zorro, attention. Alors. J'ai pas prêté attention et il m'a pas semblé voir deux Z. Hein. Mais comme des fois, je vais un peu vite. On va le passer. Hein, y a... Ah, mais si, il y a Zen. Ouais, faudrait peut-être que j'y sois un peu plus Zen, moi. Hein. Voilà. Zen. On n'avait pas le N, hein, tant qu'à faire, non. Bon, là, je pense quand même que 1 Z sur 2 grilles, c'est cadeau, ça. Hein. Alors, le L. Le L. Je vais pas avoir un S. J'ai plein de S. Hein. Je vais pas avoir un S. Alors, j'ai le L ici. J'ai ensuite le L de ultime. Alors la vidéo elle est vraiment longue hein, mais j'essaye de faire au mieux, mais c'est bien pour ça que j'ai fait avec mon achat de tickets, j'ai fait
deux parties parce que je m'y attendais. Je m'y attendais. Elle ici. Alors, sur la grille numéro 1, il m'a semblé tous les avoir faits. Mais je sais que vous êtes derrière moi, je sais que vous êtes là. Donc, superflu. Et c'est fini. Alors, la dernière, roulement de tambour. Le R. Donc, on retrouve ici. Donc, si je fais pas d'erreur, je peux y aller franchement, puisque nous avons ici un mot. Ensuite, cru, voyageur. Alors, on va revérifier, mais je crois pas qu'on avait de haut, non. R ici, mais comme on n'avait pas de haut, on n'aura pas l'euro. R ici, qui ne fait rien gagner. R ici, qui ne fait rien gagner. C'est les hauts qui m'auraient fallu, hein, parce que là, le N, je l'avais pas non plus, donc là, il n'y a rien. Et bah, c'est fini pour la première. Donc la première, j'ai un mot. Donc apparemment, ça commence à deux mots. Donc voilà. Je l'ai dans le baba. Ensuite, les R de la deuxième grille. Alors, on a ramène. Mais comme on n'a pas de N, on va pas la ramener. Ensuite, on a offerte. Donc, on n'a rien. Noce, fête. Ici, on a R. Mais si je revérifie en haut, on n'avait pas de S, donc rien du tout. Là. Bon, bah voilà, c'est réglé. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, 4 tickets à gratter. Donc, les deux premiers de la première vidéo, c'était 0. Et les deux de la deuxième vidéo, 0 aussi. Mais bon, ça n'empêche que ça fait toujours plaisir de faire une vidéo pour vous. Alors, encore une fois, pensez à mettre un j'aime. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, on se retrouve prochainement parce que je vais pas m'arrêter là. Je ne baisse pas les bras et j'adore ça. Je vous souhaite une excellente soirée, les amis. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Nature et Folie.